1990 qu'on a commencé cette expérience, n'est-ce pas, de thé. Je vais, ça a un avantage, c'est que je n'aime pas beaucoup faire les introductions, donc je vais aller directement droit au but. De quatre questions que les thèmes de référence, après une vingtaine d'années de pratique du multipartisme intégral, on est en train de s'interroger aujourd'hui sur et à l'avenir. Moi, je voudrais dire d'abord, pour rappeler, parce que très bien, l'importance des partis politiques. La politique, c'est ce mécanisme qui aide à faire le lien entre l'intérêt individuel. Des affaires de la cité. Lorsque vous avez des partis qui sont structurés, qui fonctionnent très bien. Donc, comme je disais, ça augmente la prévisibilité du fonctionnement des institutions de l'État. Mais les partis politiques également, donc je veux m'arrêter à ces trois points, je sais que dans les questions, on peut aller plus loin. Les partis politiques préparent également la gestion des affaires de la cité. Parce que c'est au cœur, au sein des partis politiques, normalement, que vous vous préparez à la manière d'appréhender les problèmes de la nation et à la manière de réfléchir à leurs solutions. Normalement, les partis doivent aider à préparer les acteurs, quels que soient les postes politiques où ils se trouveront, à mieux formuler ou appréhender les problèmes et formuler des solutions. Donc je pense que les partis politiques, pour moi, sont au cœur du fonctionnement de la démocratie. Je peux vous garantir que depuis l'origine de la démocratie, les concepteurs n'ont jamais voulu des partis politiques. Je crois qu'à un moment, quand vous remontez à 1700, dans les années 1770 à 1780, où les pères fondateurs de la démocratie américaine appelaient les partis politiques les factions et les considéraient comme des objets nuisibles à la gestion des affaires de la cité. Mais quelqu'un comme James Madison, qu'on considère comme l'un des pères, n'est-ce pas, de la démocratie américaine, a dit que les partis sont indispensables pour le fonctionnement de la démocratie, même s'ils présentent des insuffisances, instruments qui ont des revers, mais qui sont indispensables pour le bon fonctionnement de la démocratie. Et donc, tout le souci de tout le monde, et donc, considérez ce que je veux dire maintenant un peu comme des recommandations, le souci de tout bon démocrate doit être de s'atteler à ce que les partis politiques fonctionnent bien, c'est-à-dire limiter leur travers tout en créant l'environnement qui les aide, qui les incite à adopter les comportements qu'il faut pour le bon fonctionnement de la démocratie. Quels sont, moi personnellement, je ne suis pas pour la limitation du nombre des partis politiques. Tous ceux qui me connaissent pour ça. Parce que je pense que, quelque part, c'est une limitation des droits des gens à s'associer et à défendre les préoccupations qu'ils ont. Et un parti politique n'est pas fait seulement pour briguer ou diriger au niveau de la magistrature suprême. Vous pouvez vous réunir comme des partis qui défendaient des causes qui, pendant une période donnée, ne vous permettent pas d'assister à la magistrature suprême, mais qui aident à soulever des questions majeures pour la société. Et donc, je pense qu'il faut laisser les partis se créer, mais il faut créer un cadre permettant aux partis de se consolider. Et je crois qu'au Bénin, on a loupé ce tournant. Lorsque vous remontez vers à partir du milieu des années 90, 95 jusqu'à, je dirais, 2001-2003, on avait pratiquement 6 partis politiques que je considère comme les partis qui faisaient le point en matière de fragmentation de l'espace partisan au Bénin. Mais ces partis se sont émiettés par la suite parce qu'on n'a pris aucune mesure pour leur permettre de se consolider. Ce que j'appelle mesure, c'est un cadre légal que vous faites qui aide un parti qui atteint un niveau à aller au-delà. C'est-à-dire, je veux dire, connecter les appuis que la société apporte aux partis politiques aux efforts et aux performances que les partis font. Si je prends le PRD, je pense que le PRD en 1999 avait eu 19 députés. Je crois que la NB en avait eu 27, par exemple. Comment se fait-il que ces partis aujourd'hui se retrouvent le MADEB? Si vous prenez le MADEB, vous prenez le FAR, la FIA, vous prenez le PSD, vous avez fait le tour des 4 ou 5 partis politiques qui étaient des partis importants. Comment se fait-il que tous ces partis se sont émiettés par la suite? On n'a pas pris de précautions pour permettre aux partis politiques de se consolider, je veux dire, pour précautions légales. Mais à côté des précautions légales, il y a également quelque chose qui a manqué, c'est l'effort au sein des partis politiques d'aider également à créer un environnement qui aide à leur propre consolidation. C'est avoir un peu de démocratie au sein des partis politiques, par exemple. C'est éviter que les partis politiques dépendent trop souvent de ceux qui ont les moyens de les faire vivre, etc. Et donc, trouver un moyen pour que les partis, se démocratisent
mais trouver un moyen également pour que les partis ne reposent pas seulement sur l'argent et le recours à ce que nous appelons le principe fils du terroir. J'ai le sentiment, peut-être que vous allez me corriger ici, que si vous êtes dans un parti politique et que tout ce que vous avez, c'est votre capacité intellectuelle, vous comptez en général pour zéro. Hein? Je me trompe peut-être. Mais les partis doivent s'efforcer, n'est-ce pas, d'aider par leur propre gestion intérieure à valoriser les autres qualités dont on a besoin pour qu'un parti puisse jouer tous les rôles qu'on a cités tout à l'heure. Si le parti doit préparer la gestion des affaires de la cité, ça veut dire que le parti doit nourrir en son sein, n'est-ce pas, l'éclosion et le développement de gens compétents, de gens qui sont spécialisés. Normalement, si je prends le PRD, si je prends la RB, je prends le PSD, chaque parti doit pouvoir dire, lorsqu'on parle de questions d'éducation, voilà nos deux ou trois spécialistes, c'est eux qu'on envoie faire les débats. On parle d'agriculture, on parle de l'environnement, on parle, chacun doit être en mesure. Et donc je pense que ces éléments ensemble, en caricaturant un peu, ont conduit à l'affaiblissement des partis politiques que nous avons. À l'affaiblissement des partis politiques dans le temps que nous avons observé, qui a conduit, comme j'ai dit, en partie tout au moins, à une sorte de contre-performance au niveau du fonctionnement des institutions de l'État. Parce que les partis fragilisés, c'est une Assemblée nationale fragilisée. D'une certaine manière, c'est la Cour constitutionnelle fragilisée. Et je pense que vous voyez la suite. Donc, je vais m'en arrêter là pour ça. Disons qu'on l'a lié à un phénomène. Je voudrais le dire, par exemple, que la fragmentation et l'affaiblissement des partis politiques accentuent le fait qu'on va toujours chercher un homme. Parce que si vous avez de grands partis politiques, c'est difficile pour un homme de venir d'ailleurs. Vous savez, quand vous prenez un pays comme le Ghana, les deux grands partis, NDC et NPP, à toutes les élections depuis 1993, totalisent au moins 80 à 85% de toutes les voix. Ça veut dire que tu ne peux pas être quelqu'un, un individu sorti d'ailleurs et venir, par exemple, t'imposer à cette partie. Ça veut dire que le fait qu'on n'a pas de parti fort, et qu'on a, je dis fort, ce n'est pas des partis dictatoriaux, etc., des partis qui sont relativement représentatifs. La conséquence, c'est que nous avons des partis de taille moyenne ou de petits partis où tout le monde préfère être derrière un homme, où on se retrouve comme à égalité, que se retrouver derrière un parti où on est comme des acteurs de second sort. Donc, je crois qu'on va en discuter de façon plus longue. On m'a demandé également de parler des contre-pouvoirs. J'ai considéré que c'est important d'en parler parce que ce sont des institutions absolument indispensables dans toute démocratie. Ce sont les institutions qui empêchent le pouvoir d'abuser du pouvoir. Donc, dans toute démocratie, on prévoit toujours des mécanismes pour empêcher un pouvoir d'abuser de ses attributions pour violer les droits des citoyens. Le premier des contre-pouvoirs, et donc, avant de les citer, je vais dire que, à cause de notre histoire, on a voulu contrôler un peu les contre-pouvoirs à cause des instabilités qu'on a connues par le passé. Ou par exemple, le pouvoir parlementaire pouvait conduire à déstabiliser le pouvoir exécutif, etc. On a voulu contrôler un peu les contre-pouvoirs. Et ça ne s'est pas vu seulement au niveau du Parlement. Vous prenez la Cour constitutionnelle d'une certaine manière. La Cour constitutionnelle est limitée d'une certaine manière. Ce qui fait qu'on a observé sous plusieurs présidents des décisions de la Cour qui ont été royalement ignorées sans conséquence. Dès que vos décisions peuvent être ignorées sans conséquence, votre pouvoir a un problème. Vous n'êtes un vrai pouvoir que lorsque vous pouvez mettre des choses en action qu'on ne peut pas arrêter. Et si quelqu'un peut vous arrêter, vous avez un problème. Donc, la Cour constitutionnelle, la HAC, le Parlement, tous ces pouvoirs ont été plus ou moins contrôlés, mais en partie à cause de notre histoire. Mais normalement, une fois qu'on a commencé l'expérience, on devrait être en mesure d'apporter des aménagements. Dès que les limites de ces pouvoirs ont commencé à se révéler, on devrait apporter des amendements pour aider les institutions à mieux fonctionner. Notre incapacité à apporter ces amendements nous a conduit à la situation que nous vivons depuis quelque temps, où la force des contre-pouvoirs repose maintenant sur la volonté des hommes qui maîtrisent la majorité du pouvoir à un moment donné. C'est eux qui peuvent faire qu'au Parlement, vous voyez que dès qu'il y a un changement de majorité au Parlement, vous avez le sentiment que le Parlement devient très vigoureux, devient très contrôleur, mais dès que cette majorité change, le Parlement peut devenir complètement docile. Et malheureusement, on a le sentiment que ça dépasse le Parlement
et ça va. Et donc, je pense que ça, c'est des affaiblissements structurels qui ont rendu nos contre-pouvoirs, je dirais, comme des contre-pouvoirs à performance conjoncturelle. C'est-à-dire qu'à des moments donnés, on a le sentiment que ces contre-pouvoirs peuvent jouer correctement leur rôle, et à d'autres, ils ne le jouent pas très bien. Naturellement, comme je le disais tout à l'heure, la fragmentation des partis politiques a contribué en partie à cela, à l'affaiblissement des contre-pouvoirs. Alors, on m'avait demandé aussi de parler... Ça ne marche pas. Bon, vas-y, bon. D'accord. Oui. Donc, on m'avait demandé aussi de parler de la question de la révision de la Constitution, le processus. Je vais vous dire le bout par lequel je le prends. Normalement, quelle que soit la réforme que vous voulez faire, chaque réforme, lorsque vous êtes en démocratie, a toujours deux dimensions. Vous avez une dimension purement technique, sauf si c'est vraiment un problème mineur. Sinon, vous avez une dimension technique, mais vous avez également une dimension politique. Normalement, le politicien qui veut faire aboutir ses réformes, en même temps qu'il commence à réfléchir sur la dimension technique, doit suivre un processus qui crée la coalition dont il a besoin pour que sa réforme soit adoptée. Alors, je peux vous donner des exemples de grands pays. Vous prenez Obama aujourd'hui, lorsqu'on parle de la guerre en Syrie, avant d'amener l'affaire au niveau du Congrès américain, il va avoir des séances avec les représentants des leaders de l'opposition et de la mouvance. Je crois que la France a fait la même chose. Il y a d'abord ce genre d'aparté. Et vous essayez de vous entendre avant d'amener ça, par exemple, au Parlement. Parce que dès que vous arrivez devant le Parlement, quelle que soit l'importance de ce que vous amenez, quel que soit le niveau de justesse de votre solution, vous ne pouvez pas considérer le soutien des autres comme un acquis. Donc, il faut bâtir le soutien derrière la réforme. Donc, si je prends la révision de la Constitution au Bénin, par exemple, le côté technique a été confié à une commission. Ça, c'était une bonne démarche, de confier à une commission technique. Mais quand cette commission a fini son travail, il faut normalement des interactions maintenant entre le porteur du projet et les grands groupes dont la vie compte si le projet doit aboutir. Le résultat de ce genre de travail, c'est que c'est ça qui vous permet de commencer à dégrossir le premier. Parce que le technicien, lui, vient vous dire tout ce qu'il pense utile. Les politiciens ont d'autres préoccupations qui dépassent l'utilité des réformes. Dans tous les pays, ce n'est pas seulement au Bénin. Bon, donc, vous commencez ces interactions. Je suppose que vous rencontrez un premier groupe. Le texte qui est envoyé au Parlement contient 27 dispositions. Peut-être qu'après ce premier rencontre, on peut vous dire, nous, là, c'est sur 10 qu'on s'entend. C'est-à-dire que le gouvernement sait que si je veux que mon texte passe rapidement, je réduis tout ce que j'ai dit à ces 10 et je sais que ça passe. Donc, vous rencontrez tous les acteurs qui comptent. Et vous bâtissez ce qu'on appelle la coalition. C'est avec cette coalition, maintenant, vous déposez une thèse en règle générale. Alors, quand je dis qu'il faut bâtir cette coalition, ce n'est pas souvent facile. Parce que les politiciens, justement, leurs prétentions dépendent des environnements, ça dépend des moments. Les politiciens le savent très bien. Donc, ces discussions ne sont pas nécessairement faciles, mais c'est le prix de la politique. Il y a un excellent livre écrit par l'un des conseillers de Obama qui est sorti il y a juste quelques mois. Et le titre, c'est justement le prix de la politique ou le coût de la politique. Où il vous montre comment il faut prendre des décisions clés, le genre de concessions que les acteurs sont obligés de se faire pour arriver au minimum qu'on sort et que les gens voient. Donc je voudrais dire que la vraie question, c'est important de savoir le contenu technique du test et c'est bon de bâtir la coalition pour le succès de la réforme. Je vais... finir sur un dernier point, parce que on va essayer de gérer le temps, c'est la question du dialogue. Parce qu'on m'a demandé aussi de parler du dialogue au Bénin et de ses effets. Je crois que normalement. Micro. Ça, c'est ça. Allô? Allô? Bon. Donc je vais peut-être utiliser ça.
que c'est un... Non, ça c'est un... Bon, ok. Donc, lorsqu'on parle du dialogue, il y a un dialogue qu'on peut considérer, moi je l'appelle dialogue démocratique, qui est comme un environnement qui est créé dans toute démocratie pour permettre les interactions entre les différents acteurs, pour les aider à rechercher la lumière pour la prise de décision. L'espace où vous l'observez le mieux, c'est au Parlement. Normalement, dans un Parlement, on ne prend aucune décision sans délibération. Parce qu'on espère que de la délibération peut jaillir la lumière. Et normalement, si vous faites attention, même à l'échelle de la nation, il n'y a aucune grande décision qui est prise sans qu'il n'y ait d'interaction entre le Parlement, l'exécutif, le judiciaire ou le juridictionnel, etc. Ce genre de dialogue qu'on crée, d'interaction qu'on crée entre les institutions, où les acteurs, les citoyens et les institutions sont des mécanismes formels prévus pour maintenir un échange permanent, parce qu'on pense que ce genre d'échange est utile pour être proche de la réalité, pour être proche de la vérité. Mais vous savez ce que je viens de dire là pour les institutions formelles. Ça a besoin d'une bonne dose de volonté des acteurs pour que les institutions fonctionnent. Parce que quand on vous demande, par exemple, qu'on consulte la Cour constitutionnelle, de la manière dont je consulte la Cour, ce dialogue peut ne pas avoir lieu de manière constructive. Donc on a besoin d'une disposition d'esprit des acteurs. De sorte que en fait, le phénomène de dialogue, finalement, finit par être un phénomène plus informel que formel. C'est la disposition des acteurs à rechercher la solution à des problèmes à travers des mécanismes d'échange. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a deux ou trois hypothèses clés pour qu'un dialogue produise des résultats. Le premier, c'est que personne ne pense qu'il détient la vérité. Si vous pensez que vous détenez la vérité, n'allez pas à une table de dialogue. Si vous êtes deux et que chacun pense qu'il détient la vérité, en règle générale, vous allez à une négociation. Parce que chacun vient avec des prétentions et vous voyez comment vous allez faire pour que chacun aille son compte. Le dialogue par nature contient un peu d'exploration. Ça veut dire que vous venez en étant sûr que vous n'êtes pas sûr d'avoir la vérité. Mais la deuxième chose, vous êtes ouvert en écoutant l'autre, que votre position peut changer. Parce que le dialogue, c'est comme un processus un peu exploratoire. Vous allez à la recherche de la lumière, mais on ne vient pas. Donc, avec des positions prédéterminées, on ne vient pas avec, je vais dire, des vérités absolues. Mais on vient ouvert et on vient échanger. Et donc, lorsque vous regardez le Bénin, vous avez le sentiment que toutes les fois on a eu des questions sensibles, on n'a jamais pu avoir cette ouverture d'esprit où chacun vient et on vient discuter et on est prêt à faire évoluer sa position. C'est vrai qu'en partie, c'est lié à un travers que la démocratie a connu de façon générale. Au jour d'aujourd'hui, vous prenez toutes les démocraties, vous allez au Parlement, à l'Assemblée nationale française, sur certaines questions, vous pouvez venir parler 30 heures, vous connaissez la position de chacun. Ce qui est contre l'esprit du Parlement à l'origine. Comme je disais tout à l'heure, on n'exige pas la délibération comme un préalable à toute décision quand on sent que chacun vient déjà avec sa position. On l'exige parce qu'on pense que chacun vient en espérant que l'autre peut l'éclairer et que la position finale va être la position moyenne où chacun se retrouve. Donc il y a eu ce travers de la démocratie qui fait qu'aujourd'hui, les gens viennent déjà au niveau donc, des institutions avec des positions tranchées qui bougent très difficilement. Mais je crois qu'au-delà de ça, il y a parfois que nous ne tenons pas compte du fait que nous, Africains, et nous, Béninois en particulier, nous sommes dans des environnements fragiles et qu'on a besoin davantage d'acteurs qui acceptent toutes les fois où on a un problème de venir s'asseoir avec l'ouverture d'esprit pour obtenir ce consensus minimum, surtout sur des questions majeures. Je crois que je vais m'en arrêter là. Je vous remercie.